vient d'arriver en Tunisie. Pour ceux qui ne sauraient pas, la Tunisie, c'est un tout petit pays d'Afrique du Nord, entouré par la mer Méditerranée, l'Algérie à l'ouest et la Libye à l'est. On a décidé de commencer par la visite de l'île de Djerba. Une des choses à faire à Djerba, c'est d'aller à la plage. Pour cette journée, on a choisi d'aller à la plage Yeti 2. En arrivant là, ça nous a vraiment frappé. La plage est superbe. L'eau cristalline. Elle est assez chaude, on est début octobre. On est un peu surpris, il n'y a vraiment personne. Alors on va profiter de la journée ici, à la plage. C'est parti. À Djerba, il y a quelque chose qui est vraiment pratique, c'est les taxis. On a été étonné du prix. La course la plus chère, il y avait environ 25 minutes de taxi, ça a coûté 5 francs suisses, 5 euros. Et ils sont un petit peu partout dans l'île, donc on arrive toujours à trouver un taxi disponible. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, vous? Alors là, on est à Djerba Houd. C'est situé dans le petit village d'Eriad, au centre de l'île de Djerba. Ce qu'il faut voir ici, c'est le street art. Il y a plein de petites rues partout. On visite, on se promène, et puis on tombe à chaque fois sur une nouvelle peinture, une nouvelle fresque. C'est magnifique. Alors, une des spécialités de la Tunisie, on retrouve vraiment partout, c'est le bricoton. C'est entouré d'une feuille de brique et c'est frit. L'intérieur, c'est du thon, de l'œuf et du persil. Et c'est trop bon. Bon appétit! À Djerba, on a décidé de séjourner dans un manzel. Un manzel, c'est une habitation traditionnelle de l'île de Djerba. Donc, une autre activité typique à faire quand on visite Djerba, c'est se reposer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la piscine, le beau thon, les palmiers. Alors ça, c'est la préparation du café en Tunisie. En fait, ils chauffent le sable depuis dessous et il y a l'eau avec le café dans la petite cafetière. Voilà, là, le café, il est prêt, il est en train de monter. Et voilà un magnifique café tunisien. Alors là, on vient de commencer un tour de 2 jours dans le sud de la Tunisie. On est arrivé à Tataouine. Donc on a déjà pu voir une petite pâtisserie qui faisait des cornes de gazelle et des baklava. Et maintenant, on va faire un petit tour au marché. Thank you.
arrivé à Ksar Oulet Sultan. Un Ksar, en fait, c'est une construction dans laquelle les Berbères, donc les anciens habitants de la région, stockaient leurs provisions. Et du coup, c'est une architecture assez atypique. Et c'est ce décor qui a servi au film Star Wars. C'est trop beau ici. On est en train de monter au village de Chenini. Donc c'est un petit village qui est dans les environs de Tataouine. Et c'est un des rares anciens villages de montagne qui est encore habité. Et ça monte bien là. Notre guide, il est sportif. Ça va? Bienvenue à Chenini. Regardez comme c'est beau le village. Alors ça, c'est un autre incontournable de la cuisine en Tunisie, c'est le couscous. Donc le couscous, c'est de la semoule, 2-3 légumes, de la sauce un petit peu type sauce tomate, avec pas mal d'huile d'olive en général, et de la viande, dans ce cas-là ils ont mis de l'agneau. On peut aussi retrouver au poisson, c'est très nourrissant, très bon. Bon appétit! Alors là, on vient d'arriver à Ksar Gilan. Donc Ksar Gilan, c'est une oasis. Et là, on est en train de visiter une palmeraie. Donc c'est des palmiers dattiers. Et c'est la saison de la récolte des dattes. Donc on peut les prendre sur l'arbre et les déguster directement. Trop bon. C'est incroyable, c'est super sucré. On la cueille directement sur l'arbre. Et c'est mûr, c'est sucré. Comment on va sortir d'ici? Hi. Et voilà, on vient de passer une nuit sous tente dans le désert. Donc on a passé la nuit au Khans Mela, donc c'est à peu près à 20 km au sud de Ksar Gilan. Le Khans Mela, il est vraiment juste à côté d'une grosse série de dunes du début du désert. Et c'est magnifique de marcher ici. Ouais, c'est incroyable comme expérience, c'est vraiment génial. Hein. Et voilà, on vient d'arriver à Tunis. On a visité la médina de Tunis, c'était vachement beau à voir, très vivant.
Alors voilà, on vient d'arriver à Sidi Bou Saïd. Donc Sidi Bou Saïd, c'est au bord de la mer. C'est environ à 30 minutes de la médina de Tunis. C'est un tout petit village avec plein de ruelles, plein de fleurs. Tout est coloré et on va se balader ici toute la journée. C'est parti! Alors aujourd'hui, on part de Tunis et on va faire un petit tour de 2 jours. Donc le plan, c'est de prendre un louage. Les louages, en fait, c'est des petites voitures avec 8 passagers. Une fois que les 8 places sont prises, il part. Il t'a dit où était le bus ? On est arrivé à Kairouan, on a mis 2 heures de trajet et Kairouan, c'est la 4e ville sainte de l'islam. Donc c'est vraiment un lieu spirituel et assez important pour les musulmans. Et donc là, on est juste devant la mosquée principale et on va la visiter maintenant, on se réjouit. Après la visite de la grande mosquée, on fait un petit tour dans la médina, dans la vieille ville de Kairouan. Plein de petites ruelles jolies avec des portes bleues, comme on retrouve un petit peu dans toutes les grandes villes en Tunisie. Alors maintenant, c'est la partie un peu plus compliquée du trip. On est à Kairouan en fin de journée et on doit aller à El Djem. Bonjour, on se dirige vers le Colisée d'El Djem. C'est le 3e plus grand de l'Empire romain, après celui de Rome et celui de Capoue proche de Naples. Il fait super beau, il fait très chaud et on va visiter ce Colisée. C'est parti! Voilà, c'est ça le Colisée d'El Djem. C'est fou quoi. Voilà, on a fini la visite du Colisée d'El Djem, c'était vraiment superbe. On était relativement seuls, c'était trop beau. Et maintenant, on a une autre mission qui nous attend, c'est qu'on doit prendre le train. Alors on va tester le train ici en Tunisie. On doit aller de El Djem, donc où on se trouve actuellement, jusqu'à Sousse. On se demande comment ça va jouer avec ce train, vu qu'hier c'était déjà bien compliqué avec les louages. On va découvrir ça.
Ici à Sousse, les deux choses principales à visiter, c'est le Ribat et la Grande Mosquée. Alors c'est situé juste derrière la gare, donc c'est très pratique de venir en train. Et c'est ce qu'on va visiter maintenant. C'est parti! Thank you.